Dimanche 13 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée en direct sur Congo Live Télévision. Ce matin, moi, Inuka Espoir. Bonjour Espoir. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à notre diaspora congolaise, bonjour à nos FARDC, les vaillants, celles qui se battent pour la paix et la sécurité du peuple congolais. Merci. Avec vous, nous voulons comprendre la situation ce matin, mais je précise que depuis toute la soirée d'hier samedi, il y a une information que je ne sais pas s'il faut que je puisse qualifier en tout cas d'une rumeur, mais c'est une information parce que nous avons recoupé cela. Et c'était vrai, on a appris qu'il y a eu des affrontements hier dans les groupements Kibumba. Je précise que Kibumba, c'est dans les territoires de Nyiragongo. Voilà. En tout cas, on nous a dit qu'hier soir, les rebelles du M23 ont débordé par... je ne sais pas, par un village qu'on appelle Gassinzi pour attaquer les FARDC et ils ont vite été repoussés par les éléments congolais. Mais ce dimanche, en tout cas, nous apprenons que la situation est sous contrôle des FARDC. Mais le combat se déroule à Mwaro, à la limite de Nyiragongo et Rutshuru. Décris-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier et on a appris la frappe des FARDC? En fait, ce qui s'est passé, d'abord, il faut revenir d'abord sur la journée du vendredi, dont les ponts Mabenga et d'autres contrées, Kaunga et les autres contrées, ont été récupérés par nos FARDC. Maintenant, après que ces terroristes ont subi le perte énorme dans leurs rangs, c'est comme ça qu'ils ont tenté de jouer la ceinture que nos FARDC ont construit en voulant attaquer Kibumba pour venir ici à Goma, puisque Kibumba et Goma c'est quelques kilomètres. Mm-hmm. Et là où ils sont maintenant, c'est dans là où les combats se déroulent maintenant, là. Mm-hmm. C'est à 30 kilomètres de la ville de Goma. Mais nos FARDC, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que ces terroristes puissent être repoussés, et nos FARDC sont en train de les poursuivre jusqu'à ce que le tout dernier va se retirer de quelques kilomètres de la ville. Mais il y a eu un combat hier soir, je ne sais pas, Kibumba, c'est ça? Exactement, il y a eu un combat. Ces terroristes voulaient contourner nos FARDC et entrer dans la ville de Goma. Malheureusement, ils ont été contrés et repoussés. Et nos FARDC sont en train de les poursuivre jusqu'à ce que le tout dernier va se retirer. Nous, on peut rassurer la population congolaise de tenir debout, que tout le monde se prépare, puisque l'ennemi, il est à notre porte, monsieur le journaliste. C'est que nous devons nous prendre en charge. Partout où un Congolais se retrouve, il doit s'assumer et comprendre que son pays est en danger, la ville de Goma est en danger et on doit sauver les Congos. Advienne que pourra. C'est les Congos au rire, monsieur le journaliste. Alors, c'est quoi la situation ce matin? Ce matin, il y a eu les rumeurs dont certaines personnes se disaient qu'il faut fuir Goma, l'ennemi il est à Goma. Non, nous savons que nous sommes infiltrés sérieusement. Mais un homme ne peut pas fuir son pays. Une personne, un Congolais constitué de son esprit patriotique, ne peut pas fuir son pays. Il faut se demander plutôt, lorsque ça brille, qu'est-ce que nous devons faire? Comment trouver l'eau pour éteindre ces petits feux composés par les petits Rwandais et les autres, les petits Ougandais là-bas? Mais nous sommes sûrs et certains, monsieur le journaliste, que le Congo, son histoire sera écrite par les Congolais. Et les Congolais, c'est le moment ou rien. Nous devons nous unir pour chasser ces terroristes, adviennent que pour assez le Congo ou rien, monsieur le journaliste. Mais le lion de Sarambo ne lâche pas, comme les gens disent. À Sarambo, il n'y a jamais eu de lion. Oh. Je le dis chaque jour. Mais le petit Willy Ngombi, c'est Ngombi, c'est qui? Non, moi je l'appelle petit. Oui, s'il vous plaît, c'est nommé major. S'il vous plaît. C'est un débat. Notre débat est scientifique. D'accord. Moi je ne vais pas autoriser, peu importe leur façon, je ne vais pas autoriser chez nous en direct qu'on puisse quand même ingérer les gens. Vous l'appelez
peu importe si vous allez l'appeler par son nom, vous ne voulez pas l'appeler major, mais pas petit, s'il vous plaît. Non, si moi j'ai dit petit. Non, non, s'il vous plaît. Excusez, ayez un peu la courtoisie dans votre mais interface. Mais c'est lui qui nous agresse. Comment avoir la courtoisie avec lui? S'il vous plaît. Nous sommes agressés par ces personnes. Et moi, je dis, si je le qualifie d'un petit, il se voit petit dans ses bottes. Je l'ai dit clairement. Il se voit petit dans ses bottes. Les FRDC sont en train de le corriger sérieusement. Et je vous dis que vous avez vu les jeunes, la fois dernière, intégrer l'armée congolaise, ouais. Les FRDC. Mm-hmm. Et c'est là que vous voyez. Mm-hmm. Il y a d'autres. Moi, je pense que bon, tout ne peut pas se dire. Puisque je connais que Congo Live, c'est parmi les médias les plus suivis. Tout ne peut pas se dire, mais moi, ce que je sais est que dans rien des jours, si la politique n'entrave pas les opérations militaires, je vous jure que ces petits des 1-23, ils ne sont qu'une guillotte. Alors, à l'heure où on réalise cette interview, il est 9h30 minutes. Non, il est 10h30 minutes. Qui contrôle Kibumba? Non, c'est les FRDC. Nos FRDC contrôlent Kibumba. Ça, je peux rassurer au peuple congolais. C'est les FRDC, monsieur le journaliste. Qui contrôle Mabenga? C'est les FRDC. Kiwanja? Les terroristes, 1-23. Et Rutshuru Sang? Ouais, mais... Ils sont là. Je vous dis... Alors, je comprends. C'est... Je comprends bien. Ouais. Les Kenyans sont à Goma. On les a vus en train. On a couvert d'ailleurs à leur arrivée à Goma. Ils ont précisé qu'ils ne viennent pas, en tout cas pour, comment on appelle ça, zone tampon, voilà. Ils viennent pour combattre selon l'accord, selon les vœux de l'EAC ou des chefs d'État africains, membres de l'EAC, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? Bien qu'il faut préciser qu'elle est arrivée, en tout cas, est trop controversée, à Goma. En fait, moi, je crois que les Congolais, nous devons prendre notre souveraineté en main. Et notre souveraineté ne sera jamais défendue par les étrangers. Que ce soit cette force inutile de l'EAC, la MONUSCO et les autres, non. C'est nous qui devons nous défendre. Et c'est ce qu'on a dit au ministre de la Défense. Excellence, voilà, ces gens vont venir. Et il y a d'autres qui disent que non, le Congo va débourser 4 milliards de dollars pendant 6 mois. Mais nous, on s'est dit, Excellence, si réellement vous êtes fils de ce pays, cet argent doit être investi dans notre armée. Imaginez. Est-ce que c'est l'armée congolaise, c'est le gouvernement congolais qui va payer ça ou c'est la communauté en général? Non, quelle communauté? Composée des hypocrites. Oh. Quelle communauté? Y compris les pays comme le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya. Non, la RDC. Non, en fait, nous sommes... Les Rwandais membres aussi, oui. Nous sommes les pays que Dieu avait créé avec toute la détermination. Mm-hmm. Mais les peuples congolais, nous semblons ignorer qui nous sommes. Un petit pays comme le Rwanda, qui nous agresse, membre de cette communauté. Un petit pays moins peuplé que notre capitale, l'Ouganda, nous agresse. Vous voyez? Et puis nous sommes avec eux en collaboration. Mais ils nous agressent toujours. Et c'est eux qui vont venir. C'est frustrant. Et c'est révoltant, monsieur le journaliste. Révoltant comment? C'est révoltant. Ils sont venus en disant non. Hier, on a suivi. Puisque nous. On est toujours en ligne et nous. On cherche à s'informer à tout prix. Mais. L'heure arrivée, moi, je crois que les Congolais, tout Congolais constitué de son esprit patriotique, devrait se révolter. Lorsqu'ils disent que nous sommes. Quand vous parlez. C'est révolté. Là, vous voulez dire quoi concrètement? Non, quand on parle de c'est révolté, non, ne me fais pas dire tout ce que je veux pas. Non, non, dites-nous, on a besoin que. Parce que quand vous dites que les Congolais doivent se révolter, parce qu'on ne comprend pas ces mots-là, ça signifie quoi? La révolution que moi je parle, c'est le patriotisme et le nationalisme. C'est-à-dire aimer les pays, c'est ça? C'est ça, aimer les pays. Ah, aimer les pays, cette éducation devrait commencer au niveau de la tête. C'est qu'à partir de Kinshasa, les 26 provinces, notre diaspora. Et d'ailleurs, messieurs les journalistes, ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre, ce n'est pas ce qu'on devrait vivre. Mais nous le vivons puisqu'il y a certaines personnes qui nous ont infiltrés, il y a certaines personnes qui se sont accaparées de la richesse nationale, il y a certaines personnes qui pensent que c'est eux ou rien. Mais non,
Non. Mm-hmm. On ne peut pas penser et espérer que les étrangers vont nous défendre. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Mais pourquoi? Ils ne peuvent pas. Il y a des accords quand même. Bon, est-ce que nous n'avons pas les accords avec la MONUSCO? Mais il y en a. Qu'est-ce fait la MONUSCO? Nous craignons que cette force soit aussi une deuxième MONUSCO. Oh. Mais oui. Mais vous ne pouvez pas déjà commencer quand même à dire cela, on est encore au début, on n'a même pas encore lancé des opérations. Messieurs les journalistes, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Ils sont arrivés hier. Non, officiellement hier. Officiellement hier. Mais depuis qu'ils ont construit leur base, ici dans la ville, au niveau de l'hôtel Caribou. Au niveau de l'hôtel Caribou. Mais qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? C'était que des officiers qui étaient là. Mais maintenant, là, les hommes du terrain sont là. Moi, je crois que tout Congolais, partout où vous êtes, comprenez que votre pays est en danger. Oh. Et comme le pays est en danger, nous devons à tout prix défendre l'intégrité du territoire national. On ne peut pas compter sur les étrangers pour défendre notre souveraineté. Nous sommes les souverains primaires. Nous appelons nos autorités. Comprenez ce que veut la population. Et ce que veut ce peuple, c'est voir une armée bien constituée, une armée bien outillée. C'est que la logistique et motiver les jeunes, que les jeunes puissent intégrer l'armée. Si aujourd'hui on peut dépendre des petits pays, mais c'est impossible. Quand vous parlez des petits pays, vous les dites sur base de quoi? Nous, ils sont petits. Par rapport à quoi? Sur tous les plans. Oh. Que ce soit sur le plan démographique. Mais la force, c'est là, sur terrain, non, c'est autre. Ils n'ont rien. C'est autre, mon frère. Vous avez vu lorsqu'on a bombardé ces idiots. Oh. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. C'est une campagne. Bon, la politique, c'est pas la force, c'est pas cette grandeur-là géographique. Nous autres. La diplomatie aussi joue. Hein. Non, quelle diplomatie? Ah. Nous avons une diplomatie aujourd'hui. L'homme fort de la région, vous le connaissez? Kagame? Bon, c'est vous qui le dites. Non, il ne l'est pas. C'est qui? Il ne l'est pas. Moi, je ne l'ai pas. Je ne vais pas citer son nom. Hein. Non, c'est une marionnette. Aujourd'hui, c'est le seul coq qui chante. Non, quel coq? Il chante où? Dans la région de Grand Lac. Attendez, vous allez voir dans rien des jours. Kagame doit être renversé. Bon, moi, je le pense. Il n'est pas aimé. Ils n'ont que peur de... Vous avez... Mon Dieu. Vous avez vu un président qui tombe. Mais, s'il vous plaît, revenons dans les sujets. Revenons dans les sujets. Monsieur Mouinouka, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne veux pas que je coupe parce que je n'ai pas le moment pour. Tu sais, on est en direct. Je sais. Alors, ouais. Donc, il n'y a pas moyen qu'on coupe tout ça. Je sais. On doit faire un débat qui est scientifique. Revenons dans les sujets. Disons, Mouinouka. Les gens continuent à mourir, ça il faut le préciser. Ouais. Parce qu'il s'agit d'une guerre. Il y a les militaires. Ça, je précise, ce sont des hélicoptères, des phares de ce qui passe. Hein. On est dimanche, on est 10 heures passées. Alors, je disais, il y a des gens qui continuent à mourir, des civils. Ouais. Il y a également les phares d'essai. Parmi les rats des phares d'essai, il y a les gens qui tombent. Côté aussi ennemi, il y a ceux qui meurent. Vous savez? Peu importe que ce soit ennemi ou ce n'est pas force gouvernementale, ce sont des vies humaines qui partent. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour arrêter cette hémorragie, M. Mouinouka? Moi, je crois personnellement, moi comme défenseur des droits de l'homme, mais aussi comme une personne aussi, monsieur le journaliste, certainement qu'il y a perte dans la région des Grands Lacs en général. Et la région des Grands Lacs doit être sauvée par le Congo. Et quand on parle du Congo, on parle des Congolais. Je suis partant pour tout processus qui peut amener la paix, mais pas le dialogue avec les M23. Jamais. Jamais. Là, nous sommes catégoriques. Jamais. Que tout Congolais constitué partout où ils sont. Ça, ce sont nos... sont nos hélicoptères. Nos hélicoptères, hein, des phares d'essai. Hein. Ouais. On a vu, je les ai vus hier à l'aéroport, c'est vraiment neuf. Ouais. Hein. Je sais que les gens suivent ça, comment ça passe. Hein. Ouais. Ah, ça donne espoir. Hein. Non, qu'ils soient rassurés. Ce sont des hélicoptères, mesdames et messieurs, suivez un peu. Hein.
qu'ils soient rassurés, quoi qu'ils arrivent à 30 km de la ville, ils seront repoussés. Il n'y aura pas repli cette fois-ci. Non, c'est ce que nous sommes en train de décrier du jour au jour. Mm-hmm. Que les faux politiciens cessent d'entraver l'évolution des opérations militaires. Nous, on peut demander au chef de l'État, qui est le garant et qui est le commandant suprême, de se déterminer comme il l'avait promis au peuple de l'Est et à la population congolaise en général. Il est prêt à tout pour la paix ici chez nous. Qui là? Le chef de l'État, tu sais qu'il dit. Ah, d'accord. Il avait dit qu'il est prêt à tout. C'est le bon moment de prouver qu'il est prêt à tout. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On a vu des hélicoptères. Et d'ailleurs, les gens viennent de les attendre. Exactement. On a vu des avions de chasse. Exactement. On rassure tout Congolais, partout où vous êtes. Comprenez que le pays est en danger. Et comme le pays est en danger, nous devons... Mais ces hélicoptères font, je ne sais pas... Tour de Goma. On les voit. Je crois qu'il fallait qu'on... On va faire des images. On est en patrouille. Ils sont en patrouille, apparemment. Ils sont en patrouille. Vous savez, ça n'inquiète pas. Hein, non. Parce que tout le monde soit rassuré. Non. Rien ne peut nous inquiéter. Mais ces hélicoptères doivent être envoyés dans des zones de combat. Au champ de bataille. Ce que vous êtes en train de voir, ces hélicoptères, c'est pour d'abord les patrouilles. Par après avoir identifié, ils sont dans des connaissances. Exactement. Après avoir identifié là où se cachent ces petits voyous, ils seront... C'est que tout le monde soit rassuré. Ah. Et je vous dis que Congolais constitué de son esprit patriotique, je le répète au moins 10 fois depuis qu'on a commencé. Mm-hmm. Aucun homme peut fuir son pays. Mm-hmm. Non. On peut être contraint de fuir, normalement, comme certains qui sont ailleurs, certains dans notre diaspora, qui ont fui, puisqu'ils étaient menacés, soit par Mobutu, soit par Kabila, soit. Par Tshisekedi également, il faut préciser. Moi, je ne crois pas que Tshisekedi a des affaires. Il y a les journalistes, Pierron, qui s'est dit être menacé, on ne sait pas si c'est vrai. Attendons voir, mais... Pour l'intérêt du Congo, tout le monde devrait tout faire pour que la paix puisse revenir chez nous. Certains journalistes, moi j'ai compris, c'est là qui prenait défense pour Sonia Rolet, une marionnette. Bon, je sais. Est-ce que ce n'est pas une erreur que Kinshasa a fait? Non. En expulsant une journaliste, on sait d'ailleurs à un certain moment, Tshisekedi aurait travaillé avec Sonia quand il était dans l'opposition. Bon, je sais. Ses interviews. Non. En fait, ce qu'il faut préciser aux gens, c'est quoi? Moi, personnellement, je sais, c'est notre chef d'État. Mais moi, je peux l'appeler collègue, puisqu'on a fait avec lui Larry. Voyez-vous? Et les journalistes internationaux, nous savons de la manière dont vous êtes. Nous, on vous connaît très bien. Nous savons qu'entre vous, il y a des marionnettes. Entre vous, il y a des espions. Et nous savons que Sonia Rolet, c'est comment est-ce que je peux la qualifier? Une journaliste professionnelle. Chouchou de l'Occident. Non, ça sont des fausses accusations. Chouchou de l'Occident. Fausses accusations, monsieur. Nous devons changer notre mentalité. D'accord. Pour changer notre mentalité, nous devons comprendre que le Congo, c'est l'unique héritage commun que nos ancêtres avaient légué, que nos parents... Il s'était bâti pour que le Congo soit le Congo. Mais lorsque le Congo est attaqué, on doit mettre à côté nos différends. Nous sommes appelés à l'unité aujourd'hui là. Et notre unité doit être notre révolution. D'accord. Quoique certaines personnes ne vont pas comprendre, mais aujourd'hui nous sommes tous appelés à l'unité. Que vous soyez opposant, que vous soyez... du pouvoir, que vous soyez de la société civile, que vous soyez qui, si vous vous sentez congolais, défendez le pays. D'accord, merci Gédéon. Et disons espoir, parle-nous, monsieur Mouinouka, pour finir. Il y a récemment à Goma, Kamere, lors de son passage, il avait appelé en tout cas un dialogue avec l'M23. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est parmi aussi une option? Parce qu'il faut qu'on arrête cette hémorragie. Non, les M23 sont nombreux, ils peuvent dialoguer entre eux. Sont nombreux. Ils peuvent s'appeler dialoguer entre eux. Excusez. Mais nous, comme défenseurs des droits de l'homme, nous sommes en train de regretter ceux-là qui meurent. Les gens meurent. Il y a ceux-là qui meurent puisqu'ils sont des inciviques et d'autres qui meurent puisqu'ils sont en train de défendre l'intégrité du territoire national, nos FARDC.
et certains jeunes. Il y a mon compatriote Arthur qui a été assassiné par les M23, tout simplement parce qu'il s'est opposé, qu'il ne peut pas intégrer les rangs. Il y a aussi un jeune, si on peut rappeler à tout le monde, il s'était pendu lorsqu'il avait compris que ces terroristes ont pris Kiwanja. Il s'était pendu. Je crois tout ce qu'il faut pour la paix, nous sommes partants, mais pas les dialogues avec les M23. On va dialoguer avec eux pourquoi? Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils réclament? Nous infiltrer encore? Mais non, c'est révolu. Nous ne pouvons plus accepter. Et si, nous, et d'abord nous disons au chef de l'État, je profite là pour dire au premier citoyen qui est le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, si le dialogue commençait entre le gouvernement, c'est que les Congolais, puisqu'ils n'ont pas du gouvernement. Mais on peut dialoguer sans intégrer ces gens. On les écoute juste au nom de la paix. Non, qu'ils se présentent devant tout le monde et dire nous, les M23, nous réclamons ça, ça, ça. Et les Congolais vont décider. Mais le gouvernement, les autorités le savent peut-être. Non, nous ne voulons pas. Ils disent que non, là chez eux, il y a certains réfugiés congolais qui doivent être répatriés ici chez nous. Qu'ils soient intégrés, bon, c'est ce que les gens disent, qu'ils soient intégrés dans nos rangs, c'est que, qu'ils soient intégrés dans l'armée, qu'ils aient des postes, ce que nous disons, c'est non, advienne que pourra. Ceux-là qui vont vivre, et ceux-là qui vont rester, ils vont vivre une vie meilleure. Et si Dieu le veut que ça commence aujourd'hui, nous sommes partants. Nous sommes partants. Nous n'allons plus négocier. Ce n'est pas. Je ne sais pas d'abord si Rwandais sont concernés. Ça sent la guerre, vraiment, parce que des avions des militaires passent à tout moment. Nous sommes en combat. Est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent? Nous combattons contre les Rwandais et l'Ouganda. Non, l'Ouganda, c'est nos partenaires. Nos partenaires, comment? Les Kamis sont venus faire quoi? Nous ne sommes pas en bonne collaboration entre les Rwandais et l'Ouganda. Kinshasa n'a jamais cité l'Ouganda. Parce qu'on a une opération avec... On ne peut pas prendre des cibles à la fois. Nous allons d'abord éduquer le Rwanda. Après l'éducation qu'on va donner au Rwanda, on va éduquer aussi l'Ouganda. Nous savons ce qu'ils avaient fait dans ces pays. Et nous savons combien d'orphelins qu'on a... Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette année. Nous avons largement dépassé les minutes. Exactement. Nous savons combien d'orphelins qu'on a déjà orchestrés dans ces pays, que les Ougandais ont fait orchestrer et les Rwandais. Non, ça c'est le passé. Non, que ça soit le passé. L'histoire est têtue et douloureuse. Après 12 millions d'habitants qu'on a déjà perdus, je ne crois pas qu'il faut craindre la mort pour ne pas dire la vérité. Ces chiffres sont venus d'où? Et même savent. Les 12 millions là. Oui, tout le monde est au courant. Qui a enquêté sur ça? Vous les activistes, Lucha, rapport mapping ou... Non, ces impérialistes, et même les rapports mapping, qui a été aussi parrainé par les impérialistes. C'est là qui arme les Rwandais et l'Ouganda. Mais je crois que... Merci. J'ai appris quand même pour finir que les armes achetées par Kinshasa sont bloquées. Les Nations Unies auraient refusé que ces armes entrent en RDC. Est-ce que c'est vrai cette information? Il y a un complot international contre les Congos et qui utilise ces petits voyous, les Rwandais, les Ougandais. Mais quant à la question liée aux armes, nous sommes sûrs et certains, les armes vont passer. Ils vont passer. Vous allez fabriquer localement ici chez vous? Vous avez dit quoi? Prenez-vous en charge. Si on ne se bat pas, on risque... Prendre un bateau contre quelqu'un qui a une arme. Non, qu'ils aient les PKM et les autres. Nous sommes des Africains. Et nous savons comment contourner ce que les blancs fabriquent contre nous. Merci. Je vous dis, à Kinshasa. Oui. Mais ils avaient tout. Mais ils ont été chassés par la population congolaise, celle qui vivait à Kinshasa. Ils les avaient chassés. C'est que nous, qui sommes ici... qu'il ose tout simplement entrer dans cette ville et vous allez voir ce que les Congolais vont faire pour eux. Merci, les armes qui seraient bloquées par les Nations Unies, qui est le circuit qui renferme tous les escrocs du monde, nous pensons que ces armes seront débloquées. Merci. Et s'ils ne les débloquent pas,
nous allons tout faire. C'est que cette Monisco qui fait la publicité pour les 1-23, qui sont leurs partenaires, ils vont dire à leurs collègues, ici, ça ne tient pas de bloquer ces armes. Merci beaucoup. Et nous demandons les Congolais qui sont, si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en France, partout où vous êtes, cherchez là où se trouve le bureau des Nations Unies. Merci, mesdames cherchez et messieurs. Partout là où il s'il vous plaît, soir, s'il vous plaît. Merci, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir été là ce matin, soir. Nous rappelons encore les gens que nous continuons. S'il vous plaît, dans moins de 10 secondes, un message à l'armée. D'accord. Un message, s'il vous plaît. D'accord. Nous disons à notre armée que nous sommes derrière eux. Merci. Nous Merci allons nous battre ensemble et Goma et Nord qui vous sera libéré. Je Merci. Vous jure. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez aimé l'entretien. N'hésitez pas, lâchez vos commentaires. Encore la fois passée, vous avez dit que vous avez un message à transmettre. Vous, en tant que. Vous êtes déjà à la tête d'un groupe de vigilance, c'est ça. Parlez-nous dans moins de 30 secondes, s'il vous plaît, parce que nous avons largement dépassé. Nous sommes en train de mobiliser. On avait dit que nous avons besoin de 1 550 $. Il y a ceux-là qui contribuent, il y a ceux-là qui sont en train de promettre. Et il y a ceux-là qui nous appuient et nous les félicitons. Nous sommes toujours en attente. Justifiez un peu les 1 500, c'est pour faire quel projet? Non, c'est un peu confidentiel. Ah, d'accord, c'est pour les groupes de vigilance quand même. Non, c'est un peu confidentiel. Nous ne voulons pas mettre ça à la portée de tout le monde pour éviter. Mais c'est pour l'intérêt de la nation. Nous reviendrons vers eux pour leur dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce que nous faisons. Oui, on veut comprendre, est-ce que ce n'est pas pour financer un groupe rebelle ou bien c'est pour l'intérêt de la nation ou bien? Ce n'est pas financer. C'est pour l'intérêt de la nation quand même. C'est pour l'intérêt de la nation. D'accord, c'est ce que je voulais comprendre. Nous sommes sûrs et certains. Numéro de téléphone, s'il vous plaît. Nous sommes sur le plus 243-992-66-4208. Merci. Mesdames et messieurs, on fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Bye bye.